Eh bien, salut tout le monde, c'est Bleach et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre petite série de couverture WRC FIA World Rally Championship 3. Bon, WRC 3, ça va plus vite. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je tenais à vous présenter ce petit jeu parce que c'est un jeu qui me... Bon, qui me plaît bien, même si je suis un peu une brêle, on va dire. Non, c'est vraiment parce que j'aime bien le jeu de voiture, alors je voulais vous le présenter. Bon, c'est pas non plus un jeu qui excelle l'excellence, enfin, ouais, excelle l'excellence, bien sûr. Mais bon, c'est un jeu qui peut se laisser jouer largement. Donc, pour vous montrer un petit peu, alors je vais revenir, hein, parce qu'on est un peu là pour découvrir la chose. On a déjà, alors si, ça va bien revenir, voilà, trois menus différents, donc un mode multijoueur. Le mode Road to Glory, donc c'est un petit peu comme le mode campagne. Et WRC Experience, bah vous allez voir, c'est ce que je vais faire. Donc spécial unique, rallye unique, donc là ça va être que 4 ou 5 spéciales. Et championnat, bah ça doit être un truc personnalisable avec plusieurs championnats, donc je sais pas, j'ai pas trop essayé, moi je fais que spécial unique. Donc on va lancer une spécial unique, et là on remarque qu'on a 3 catégories de véhicules, donc les voitures de la WRC avec les plus connues, vous allez le voir, hein, de toute façon, avec les, bon, les voitures, des voitures de base, la Citroën, la Ford, puis voilà. Les classes 2 avec des voitures, alors je peux vous les montrer, donc une Skoda, une Ford Fiesta, alors là il y en a plusieurs, hein, qui reviennent, hein, vous allez le voir, c'est tout le temps les mêmes, ça je sais pas ce que c'est, voilà, enfin vous en avez plein, vous regardez les noms, il y a une Fiat Abarth, je crois que c'est la seule, enfin voilà, et une troisième classe, donc c'est des voitures un peu plus de base, je crois quand même il y a des filles qui combattent, qui jouent dans cette compétition là, voilà, il y a une fille et un mec. Là il y a deux filles, ouais. J'avais joué avec cette voiture une fois. Bon, vous voyez que les performances c'est 70, pas plus, hein. De toute façon. Et aussi, ben voilà, on peut jouer donc les trois. Bon, ça dépend ce qu'on veut comme vitesse de voiture, de véhicule, tout ça. Mais on peut jouer, commencer avec des petites voitures, avec des petites Subaru Impreza comme ça, et puis voilà, bon, moi je vais vous faire du WRC, donc nous avons notre Sébastien Loeb et notre Daniel Elena, voilà, puis voilà, vous avez Hervonen, enfin bon, je les connais pas tous, hein, mais je les connais un peu, voilà, bon, vous voyez que les trois meilleurs c'est eux, et après, les performances c'est pas bon, donc ben nous on va rester chez notre petit français, et on va prendre celle-ci, donc je sais pas ce que je vais vous faire aujourd'hui, alors... On va faire deux courses, je pense. Je pense qu'on va se faire un Monte Carlo. Pourquoi? Parce que j'aime Monte Carlo. C'est un peu... Ouais, c'est vraiment... tout ce qui est ce côté-là, j'adore vraiment. Alors, on va en prendre une... Oh, ça, elle a l'air simple, quand même. Alors, elle a l'air, attention. Oh, je sais pas. On va prendre Col de Turini. Ouais, bah, on va voir. On va voir du moins, on va voir ce que ça donne, je sais pas, j'ai jamais joué, enfin j'ai jamais trop fait de voiture de course, donc hein, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà choisir directement la course, soit on peut régler notre voiture. Alors moi je vais pas le faire, mais voilà, on a quand même un peu moins de réglages que dans certains jeux, alors je saurais pas me rappeler lesquels, parce que je sais que j'en avais, mais on peut quand même régler les suspensions avant, les suspensions arrière, pardon, la transmission, plus ou moins rapide, le couple, donc ça c'est le plus important, le couple machin, tac tac, et la carrosserie, bon bah c'est pour répartition de freinage, enfin, voilà, vous voyez, je crois que, alors là ouais, on peut charger des réglages aussi, bon là voilà, mais bon c'est pas très très intéressant, alors on va lancer une course tranquillou, alors 6-5, et voilà, on est parti, donc vous voyez quand même des graphismes assez sympas, hein, on peut le dire, hein. Moi je trouve que les sons aussi sont pas mal, vous allez le remarquer. Alors là je joue avec une manette, hein. Bon, c'est pas très intéressant de jouer à un jeu de voiture avec un clavier, c'est vrai. Voilà, donc si vous avez la chance de conduire, enfin de jouer avec une manette, c'est toujours plus sympa. Bon, je vous dis pas que ça va être une course, attention, truc de fou, hein, non, pas du tout. Je suis pas très très bon, je vais essayer de tenir quand même dans le top 5.
Ah bah là on est premier, vous voyez. Voilà, je vais essayer de finir dans le top 5, même si là pour le moment c'est vrai que ça a pas trop tourné parce que j'ai fait 2-3 courses avant quand même pour me chauffer. Et c'était pas non plus le pied de pied. Donc bon, on va essayer de pas se frapper un mur. Ouais, bon, voilà, on a touché, mais ça va, c'est pas trop grave. Non, on va surtout essayer de faire ça correctement et tout ça. Bon, alors voilà, niveau graphisme c'est pas mal. Alors niveau conduite c'est pas terrible. Enfin, ça se laisse jouer, voilà, mais ça fait plus arcade que simulation, hein, déjà, vous allez le remarquer. On glisse pas, hein, enfin, on glisse, mais bon, pas trop, on arrive à 100 sur une route complètement glacée. Bon, voilà, je veux dire, juste un petit peu à freiner, j'utilise un petit peu mon frein à main dans les épingles, mais voilà, ça se laisse quand même. Bon, c'est un peu bizarre, hein, vous allez remarquer déjà, dès que vous allez jouer, vous allez commencer, enfin, moi, ce que je trouve, c'est que... Enfin, je trouve que quand même, il y a un espèce d'effet flou quand on joue et des fois, on a un peu du mal à voir la route. Alors, je sais pas si c'est le jeu qui est optimisé comme ça. Je sais pas si c'est une chute des FPS, mais c'est vrai. Oula, putain, là, j'avais pas vu. Mais c'est vrai que des fois, ça, c'est un peu bizarre et ça peut surprendre. Mais bon, c'est assez minime quand même. Hein, on peut dire, c'est assez minime. Mais des fois, ça peut se laisser ressentir sur certains virages et tout ça. Après, niveau gestion, freinage, tout ça, donc bon, bah, c'est réglable, bien sûr. Hein, c'est comme vous préférez, je sais pas trop, j'ai jamais trop testé, voir s'il y avait vraiment des réelles différences au niveau des réglages, que ça, si ça changeait vraiment beaucoup dans le truc. Moi, j'ai toujours laissé par défaut, parce que avant, je m'emmerdais à faire les réglages. Maintenant, je suis un peu plus léger sur ça. Je ne fais pas de championnat, je ne m'embête pas à faire des réglages, et puis de toute façon ça réussit, donc bon voilà. Après ouais, niveau conduite c'est pas terrible hein. Comme je vous ai dit, on tourne facilement, enfin là franchement ça va, je me débrouille pas trop mal, je suis premier avec 2 secondes 66 d'avance. C'est une course qui tourne beaucoup quand même, enfin qui tourne beaucoup. Une course tourne beaucoup en général, hein, une course de rallye, une spéciale de rallye, c'est le but. Mais là, c'est vrai que bon, bah, Monte Carlo, c'est des montagnes, donc il y a beaucoup de montagnes et beaucoup donc d'épingles, hein, parce qu'on fait un côté de la montagne, un côté de l'autre, donc il faut bien descendre. Hein. Bon, c'est pas une très longue course, c'est des courses qui durent environ 3 minutes, pas beaucoup plus, enfin du moins ce que j'ai pu remarquer, ça dure pas non plus. On en a pas non plus pour 15 minutes la course, hein, ça c'est sûr. Alors il y a des courses de défi, je crois, contre un... Enfin, j'ai eu l'impression qu'il y a des courses de défi, alors je sais pas vraiment si c'est trop des courses de défi. Voilà, on a fini déjà 3 minutes 21, waouh, on a fini premier, yeah. On a géré, on a pas touché une fois, on a éraflé le mur une fois quand même. Ouais, bon bah c'est bien, on a battu des gens, ça c'est plutôt bon. Voilà, bon bah, vous avez quand même déjà tout vu, hein. C'est vrai que... Je vais vous faire une autre course, mais... Si on en reste là, c'est vrai que vous avez vu la majeure partie. Voilà, c'est un jeu de rallye, certes, mais c'est pas un jeu de rallye très poussé. Alors je sais pas au niveau de la campagne, mais moi j'ai quand même eu des mauvais échos de ce WRC. Je vais pas vous dire qu'il est mauvais, attention, hein. Attention, non, pas du tout. Il est bon quand même, il est bon, c'est sympa à jouer, c'est sympa. Mais je pense que au bout d'un certain moment, ça doit être lassant en fait. Parce que il manque quelque chose, peut-être un certain charisme du jeu, je pense, mais il manque quelque chose pour que ça fasse un bon jeu en fait. Donc déjà il y a 13 rallyes, c'est déjà pas mal, hein, on peut le dire, c'est quand même sympa. Avec l'Italie, je vais vous faire ça après. Avec un peu tous les pays, hein, France, Grande-Bretagne, à peu près un par pays, hein, si on regarde bien, bon, sauf Monaco, hein, qu'on passerait comme un pays. Mexique, Portugal, ça c'est quoi, Argentine. Celui-là, il me tentait bien aussi. Acropolis, donc c'est la Grèce, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le rallye Sardaigne, parce que moi j'adore la Sardaigne, voilà, comme ça je vous le dis. Je sais pas laquelle course on va faire. 1 sur 6, donc il y a quand même 5-6 courses par circuit, enfin par rallye, quoi. C'est pas mal. Alors, si on veut prendre en fait les réglages de base, enfin, oui, tu changer nos réglages, il faut bien regarder, attention, enfin, il faut faire attention du moins à la composition de la route. Donc là, il y a 76% de terre, 19% de terre rocailleuse. Bon, c'est de la terre, hein, ça reste de la terre quand même. Et terre, bon, c'est de la terre sableuse avec un peu de sable, donc qui semble normalement glisser un peu plus. Terre rocailleuse qui devrait
peut-être glisser un peu plus que la Terre normale. Enfin voilà, ça dépend ce qu'on veut. Il y a des trucs qu'on peut choisir, hein, notre style de conduite. En fait, quand on change nos réglages, on choisit notre style de conduite tout simplement. Il faut, je pense, ici. De toute façon, dans les rallyes, ça sert à rien d'avoir une super vitesse de pointe. Il vaut mieux beaucoup de couple. Peut-être un couple qui vient plutôt de l'arrière. Je ne sais pas. Je suis pas trop calé voiture. On va faire celle-ci. Elle m'intéresse bien. J'aime bien les marbres là qu'on a vu sur le côté. Alors, je vais un peu vous faire aussi la description de on dit la HUD, hein, on peut le dire. Bon, il n'y a pas grand-chose. Vous avez vu, vous allez le voir. Hein, de toute façon, bon, les départs, c'est jamais ça. Hop, on est parti. Donc voilà, vous avez en bas à droite l'indicateur de vitesse, quoi, le tableau de bord, un peu, c'est ça. Alors, je sais pas si on peut changer de vision, c'est ça. Alors on peut changer de vision pour les plus adeptes d'entre vous. Moi, c'est ma vision préférée, la vision capot. C'est vraiment bon, c'est pas la vision que je gère le mieux, mais c'est ma vision préférée. On peut aussi jouer. Alors on peut complètement faire le fou et jouer comme ça, mais là vous remarquez quand même que c'est extrêmement pauvre. Enfin, regardez les détails, c'est pas terrible. Les mains, elles sont pas terribles. Les animations sont pas terribles. Non, franchement, je trouve ça pas très bien fini de l'intérieur par rapport à, je ne sais pas, je saurais pas que vous dire quel jeu, mais bon. Wow, putain, 5 secondes de retard. Non, j'ai pas chaud, mais hein. Voilà, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible niveau intérieur. Alors on va repasser en vision normale. Alors je vais un petit peu me bouger le cul. Vous avez aussi, attention, alors on va prendre ça en ligne droite. Voilà, vous avez un mode comme ça. Voilà, c'est pour faire des rewind. Bon, je les ai déjà tous utilisés. Hein, voilà. J'en avais 5, mais je sais pas trop comment ça marche. J'ai pas trop compris encore le but. Voilà, bon, c'est pour revenir si on se plante. C'est pas un truc que j'apprécie trop parce que c'est, bon, on va pas dire que c'est cheaté, mais on va dire que, bon, c'est vrai que ça peut servir. Moi, j'avais découvert ceci dans, c'était quoi, Race Driver Grade, je crois que le premier, enfin, un des premiers qu'il avait utilisé. Et, bon, c'est vrai que c'est sympa. Ça se laisse utiliser, hein. Moi, je le dis, je l'utilisais, donc ça me faisait rire. Mais, dans un jeu de rallye, si on se loupe, et ben on se loupe, et on recommence. Voilà, c'est un peu le but, Alors là, je me fais complètement éclater. Je vais faire une course premier, une course dernier, quoi, 26e. Je vais essayer un petit peu de me bouger. Ah merde. Ah ça c'était. Ah oui, ok. D'accord, oui. Voilà. Bon, vous avez le temps, vous avez la barre en haut de progrès, enfin la barre à gauche de progression, les petites flèches, ces indications qu'en fait que notre copilote nous raconte. Et puis voilà, quoi. Voilà, vous avez fait un gros tour du jeu, un tour assez complet, hein. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Putain, je vais quand même pas finir dernier. À craint. Je roule pas comme une mémé quand même. Enfin, j'ai pas l'impression de rouler comme une mémé. Bon, ouais. J'ai pas dit que c'était pas vrai, mais on va essayer de rouler un peu plus fort. Quand même, Sébastien Loeb qui finit à la 26e place. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Oula. Merci l'arbre de nous avoir arrêté. Bon voilà, c'est un jeu, pour faire un résumé global, c'est un jeu qui se laisse jouer. C'est pas le must du must au niveau de la simulation, ça c'est sûr. Hein. Ne vous attendez pas à de la putain de simulation de fou, hein. Ça c'est sûr et certain. J'ai évité de me retourner, ouais, ça serait con quand même. Bon bah là c'est bon, je suis mort, hein. C'est terminé pour moi. Je fais que de perdre du temps alors que je trouve pas que je roule comme une mamie, mais bon, tant pis. C'est comme ça, hein. On aura fait une belle course et on aura fait une course complètement pérave, alors mais complètement. Enfin bon, c'est pas grave. Si vous voulez un peu plus de vidéos sur ce jeu, faites-le moi comprendre. Ouais, bien joué. Alors là, très très beau back mi-flip, enfin c'est un mi-back flip sur le côté. Voilà, un front back côté flip, voilà tout simplement. Voilà, si vous voulez des vidéos sur ce jeu, dites-le moi. Je peux vous faire, hein. Je peux essayer d'être un peu meilleur, hein. Parce que là c'est pas terrible. Puis voilà, si vous avez d'autres jeux vidéo, enfin des jeux de voiture surtout, que vous voulez que je teste et que je vous fasse découvrir, enfin que je fasse découvrir à tous les abonnés, vous me le dites, j'ai pas de soucis, je vous le fais. Enfin, je vous le dis, hein, mais je vais peut-être pas faire tout le monde, je peux pas faire tout le monde. Oh yes, j'ai pris 4 positions, wouhou, j'ai pas fini dernier finalement. Non, bon, je peux pas faire tout le monde, je peux pas satisfaire tout le monde non plus, mais je peux essayer.
Ah putain, mais on a quand même 12 secondes de retard, c'est un peu fou quand même. Bon, voilà, on aura terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la faire partager à vos amis, regardez, mettez un petit j'aime et tout ça. Et puis de toute façon les amis, bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle découverte. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.